صحراء فرحي يا أرض بلادي أرضك صبح حرة نور مال اسميك بالمسيرة الخضراء نور مال اسميك بالمسيرة الخضراء الله شعرها سلم وحب والغادي سعدته مسيرتنا الخضراء نتيجة مربوحة فيها أمن وسلام تاريخ مجدل الوطن لا حرب لا سلاح وعجلنا زمان فيها أمن وسلام تاريخ مجدل الوطن بلا حرب لا سلاح معجزات الزمان Le drame du Maroc, c'est que lorsqu'il a été colonisé, il n'a pas eu affaire à un seul colonisateur. Nous avons été colonisés par deux colonisateurs, les Espagnols et les Français. Si nous avions eu la chance d'en avoir qu'un, nous aurions soudé de tout compte notre affaire du Nord au Sud. Malheureusement, il nous a fallu négocier le protectorat français, ensuite le protectorat espagnol sur la zone Nord, par la suite, enlever à Tanger son statut international pour la souveraineté marocaine. En quatrième lieu, il nous a fallu redescendre sur Tarfaya morceau par morceau, parce que comme vous connaissez, le général Fonco était un homme très dur à la compréhension de la décolonisation. Quelques années plus tard, c'était Sidi Ifni. Et enfin, il restait le gros morceau du Sahara, que nous avons nous-mêmes introduit aux Nations Unies au lendemain de notre indépendance. En accédant à l'indépendance en 1956, le royaume du Maroc devient un état souverain, mais le parachèvement de l'intégrité territoriale reste à faire. Une partie de son territoire national demeure encore sous occupation espagnole. Paradoxalement, la libération s'effectue en sens inverse de la chronologie d'occupation. Sur son flanc sud, le Maroc devra imposer à l'Espagne d'accepter d'ouvrir les négociations. L'Espagne concède très difficilement de libérer les territoires colonisés. Ils sont convoités pour leur situation géostratégique, mais aussi pour les ressources naturelles qu'ils recèlent, surtout depuis la découverte et l'exploitation des gisements de phosphate dans la région. Les Espagnols étaient décidés à donner une sorte d'autonomie interne, à isoler le Maroc du Sahara et à créer une situation qui devait être un peu le dépassement de la situation coloniale, mais c'était pour cacher l'avenir de ce qu'ils voulaient faire de cette région.
Hassan II préparera la marche verte dans la discrétion la plus totale. Seuls trois colonels de l'état-major des forces armées royales sont mis au courant et chargés de préparer cette grande opération. Il est arrivé deux ou trois petites choses assez intéressantes qui vont vous montrer comment j'ai pu être mis et comment j'ai été amené à savoir un petit peu qu'est-ce qui se prépare. J'ai un ami qui est commerçant à Casablanca qui est venu me dire « Ahmed, pourquoi vous êtes en train d'acheter 350 000 couvertures ?» Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai dit « Écoute, moi je ne sais pas. » Après le dîner, Sa Majesté nous permettait de lui poser des questions de toute nature, y compris des questions politiques ou des questions religieuses. Et je l'aborde, je dis « Majesté, je m'excuse, mais vous savez, j'ai un ami, Casablanca, il m'a demandé pourquoi nous achetions 350 000 couvertures. » Et il me dit « Oui, effectivement, nous avons décidé dorénavant de ne plus acheter les couvertures seulement pour une année, par économie, mais pour 5 années. » Je rentre chez moi, j'appelle mon ami, je lui dis « Écoute, voilà ta réponse, ça y est. » Il me dit « Mais alors dans ce cas-là, pourquoi vous êtes en train d'imprimer 350 000 Corans ?» J'ai dit « Écoute, ne m'embête plus, ce soir je vais voir Sa Majesté, je lui poserai la question. » Alors me voilà devant Sa Majesté, à la fin du dîner, je dis « Majesté, je m'excuse, mon ami de Casablanca m'a posé une question, toujours dans le cadre de ce que nous achetons et ce que nous faisons, et il a même évoqué, m'a dit « Est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer une guerre ?» Il me dit « Qu'est-ce qu'il a dit ?» J'ai dit « Il a dit que nous sommes en train d'imprimer 350 000 Corans. » Il m'a dit « Oui, effectivement, nous avons 350 000 Corans, parce que cette année, je vais envoyer à l'occasion du Ramadan des Corans à tous les chefs d'État africains musulmans. » Je rentre, j'appelle mon gars, il était minuit, parce qu'on dînait tard, etc. Et deux jours après, il m'appelle, il m'a dit « Je crois que tu ne pourras pas répondre à ma question maintenant. » Je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» Il me dit « Vous avez une délégation militaire dirigée par un général avec 7 colonels, qui est parti au Texas dans le grand stock des surplus américains des deux guerres, le Vietnam et la guerre première, la guerre deuxième. Ils sont en train de chercher des réservoirs pour larguer de l'eau par avion et des réservoirs de 5 tonnes. Tu ne vas pas me dire c'est encore pour le courant. » Je sais que tu me casses les pieds, mais je vais demander cette question, mais tu me fiches la paix. Hein. Et j'ai senti que cette question-là avait un petit peu, je ne dis pas dérangé, mais avait un petit peu irrité Sa Majesté. Et il me dit « Mais qui c'est cet ami d'abord qui te pose ces questions ?»« Ah, qu'est-ce qu'il veut exactement ?» Je dis « Majesté, il veut simplement, c'est un commerçant, et il veut simplement s'il y a quelque chose à acheter ou à vendre, puisqu'il est… » Il me dit « aussi, bon, tu vas me rejoindre à 9h au palais de Souissi. À 9h. » C'était donc pas une réponse. Et c'était déjà un petit, pour moi, une interrogation. Sa Majesté arrive, on se lève, on le salue, et il dit « Asseyez-vous, je crois que ce nous-ci, on sait déjà un peu trop, et on va le mettre au courant. » Et il dit tout de suite au chef du protocole « Apportez-moi le serment. » Bien. Et le chef du protocole m'apporte le serment dans lequel je jure, par la grâce de Dieu, que je ne divulguerai aucun des secrets de l'organisation qui est actuellement en cours. Et alors, je me suis trouvé donc dans une situation qui n'avait plus rien à voir avec ce commerçant, etc., etc. Le 5 octobre, le roi du Maroc réunit les membres du gouvernement dans une salle du cabinet royal et les met au courant de l'opération Fatha, la marche verte, après leur avoir demandé de prêter serment, le serment de ne dévoiler aucun secret sur l'opération en cours. Je me rappelle ce jour, il y a eu un conseil de ministres extraordinaire au cours duquel il nous a, après plusieurs mois d'absence, il nous a réunis un jour en conseil de ministres pour nous parler de la marche verte, de l'idée qu'il a eue. Et puis, à l'issue de ce conseil, nous avons prêté serment. On se trouvait dans une salle où il y avait des cartes d'état-major, il y avait des explications, il nous a dit « Moi, je voulais vous faire la surprise. Il n'y a pas beaucoup de monde qui soit au courant de ce que je vais vous dire. Il n'y a pas 10 personnes, c'était le terme qu'il avait employé, qui étaient au courant de ce que je vais vous dire.
j'ai décidé de faire une marche, je vous ai expliqué, pour libérer le territoire. Je sais que ce problème vous intéresse, vous occupe, vous préoccupe, moi aussi, mais vous allez d'abord prêter serment. Un serment de garder le secret. Alors il nous a donné ce document, signé de sa main, dans lequel il est écrit « Uqsimu billah al-azim, an aktum al-sir, wa nuffid al-amr, li injahi amaliyat al-qadar, bi qiyadati sahib al-jalal al-malik al-hassan al-thani, wallahu wa liyutufiq wa nasarah, ila signature Hassan bin Mohammed. » وكتابه المبين أن أقوم بمهمتي وألتزم بكتمان السر وأؤدي واجباتي بكل ما يرضي الله. Bien que l'affaire était secrète, le roi avait consulté notre premier secrétaire, feu Abd al-Rahim Bouabid. Évidemment, nous avons à l'époque une inquiétude très grande. C'est celle du comportement des autorités et de l'armée espagnole au Sahara, puisque cette manifestation va se dérouler à la frontière, et même un peu à l'intérieur des frontières du Sahara occupé. Et notre inquiétude, c'était le risque de voir l'armée espagnole tirer sur une population civil et non armé. Je me suis donc assis autour de la table avec Sa Majesté et ils ont commencé à parler de l'organisation de quelque chose. Moi, au début, je me suis dit c'est une guerre. Et puis, au fur et à mesure, il s'agissait de mobiliser 350 000 hommes qui allaient faire une marche verte. Il s'agissait de les nourrir, il s'agissait de leur faire des soins médicaux, il s'agit de les transporter, comment on va amener le pain, comment les avions vont atterrir sur des pistes qui n'étaient pas encore prêtes et qu'on a fait en quelques jours, des pistes pour les C-130, etc. J'ai dit, Majesté, vous êtes en train de préparer une guerre. Il me dit non, c'est une guerre avec un Coran et un drapeau. Je le regarde, il me dit, est-ce que tu n'aurais pas une idée par hasard? J'ai dit, Majesté, par exemple, vous avez de grands amis en Arabie Saoudite, dans le Golfe, pourquoi ne pas leur demander d'envoyer chacun une délégation qui participe avec nous à la marche verte avec leur drapeau? Et là-dessus, je me hasarde dans une suggestion qui, heureusement, a bien marché après. J'ai dit, Majesté, ce qui serait intéressant pour nous, que je fasse venir une vingtaine de jeunes Américains pour participer à la marche verte. À l'Aïoun, l'Espagne tente d'isoler le Maroc en négociant directement avec l'Assemblée Sahraoui, la Jemaa, dont les membres font partie du Parlement espagnol, le Cortés. L'Assemblée ne cède pas aux pressions espagnoles et réaffirme son souhait de demeurer sous souveraineté marocaine. Je fais à l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui et à l'Espagne, par contre-coup, la proposition suivante. Vous prétendez, gouvernement espagnol, que le Sahara était res nullius. Vous prétendez que c'était une terre ou un bien qui était en déshérence. Vous prétendez qu'il n'y avait aucun pouvoir ni aucune administration établie sur le Sahara. Le Maroc prétend le contraire. Alors nous demandons l'arbitrage de la Cour internationale de justice de l'Aïe. Elle va dire le droit. C'est une cour qui est un organisme dépendant directement des Nations Unies. Elle dira le droit sur titre et elle pourra, à ce moment-là, éclairer l'Organisation des Nations Unies pour recommander au Maroc et à l'Espagne la voie à suivre. Si effectivement la Cour internationale de justice prouve que c'était une res nullius, que c'était un bien en déshérence, alors j'accepte le référendum en disant, bon, il n'appartenait à personne. Je peux faire même le référendum avec 10 pays s'ils le veulent, tous ceux qui sont tout autour. Mais si la Cour de justice dit, le Maroc a des titres de propriété, des titres juridiques, à ce moment-là, je demande à l'Organisation des Nations Unies de nous dire, avec l'Espagne,
négocier directement, car au fond, l'Organisation des Nations Unies sera très heureuse de se débarrasser elle aussi de ce problème. À la demande des Nations Unies, la Cour internationale de justice se penchera sur le dossier du Sahara d'avril à octobre 1975. Elle rendra son avis le 16 octobre, avis dans lequel la Cour stipule que les éléments et renseignements portés à la connaissance de la Cour montrent l'existence au moment de la colonisation espagnole de liens juridiques d'allégeance entre le sultan du Maroc et certaines des tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental. Il montre également l'existence de droits, y compris certains droits relatifs à la terre, qui constituaient des liens juridiques entre l'ensemble mauritanien, au sens où la Cour l'entend, et le territoire du Sahara occidental. Pour le musulman, El Béa, qui est l'allégeance, est le lien éternel, mieux que cela, il est le lien qui est scellé par le Coran et par la religion. Cette Béa a toujours été donnée au souverain marocain depuis des temps immémoriaux. Je n'en veux pour preuve que le fait de savoir que la dynastie Almoravide, Morabitine, première chose qu'elle a faite en venant au Maroc par le sud, c'est de considérer justement ce sud comme étant Maroc. La Cour de l'Aïe a déclaré que le Sahara entretient avec le Maroc, a entretenu depuis 4 siècles des liens d'allégeance. Et les liens d'allégeance dans l'histoire du monde au 17, au 18, au 19e siècle, l'allégeance était le seul lien qu'il y avait entre un peuple et un roi, parce qu'il n'y avait pas de notion de souveraineté. La souveraineté n'existait pas. La souveraineté, c'est une notion très... Elle n'a commencé à être connue qu'au 19, 20e siècle. Quelques heures après l'arrêt de la Cour, et contre toute attente, le roi Hassan annonce à son peuple l'organisation de la Marche Verte. أن تقوم الحكم أنت على هاي اللي هو حكم أنا تعتبره حكم وكانوا ما تقولوا فتوى أو استشارة أنت تعتبره حكم أن تقوم الفتوى أنها تجيب لنا بواحد العلبة جميلة مزينة تجيب لنا حجاج الأرضية ديالنا وحجاج امتلاكنا للصحراء هذا مذهب الخيال مبقى شعبي العزيز إلا شيء واحد أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء كيف غتكون هذه المسيرة؟ هذه المسيرة غادي يشاركوا فيها 350 ألف نتاع السكان شعبي العزيز عليك أن تقدر وتفكر وتقيم شنو هي 350 ألف ديال السكان 10% منها ديال النساء Les Marocains envahissent les centres d'inscription pour manifester leur volonté d'y participer. راه المغرب كامل كان غادي يمشي للمسيره كل ما كانش داك الشيء مضبوط وبالحساب كل المغاربه كلهم مشاو للمسيره ورجعوا حتى واحد ما يبقى في دارو ولكن جاب الله كاين الكونترول كانوا دايرين واحد العدد محدد لا ماجوريتي دو ماروكان فولي فير لا مارش فيرت Et ils ignoraient totalement de quoi il s'agissait à cette époque. Dans la précipitation des événements, les Nations Unies adopteront 2 résolutions, le 20 octobre 1975 et le 1er novembre 1975, invitant le Maroc et l'Espagne à ouvrir les portes des négociations sur l'avenir du Sahara occidental. Le 3 novembre, lendemain de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, le prince Juan Carlos effectue une visite éclair à Laayoun afin de rassurer la population civile et l'armée espagnole. Il indiquera clairement que l'Espagne respectera ses engagements et s'efforcera de maintenir la paix. On ne doit pas mettre en péril une seule vie humaine alors que des solutions justes et désintéressées sont avancées pour que prévale la coopération et l'entente entre les peuples.
sur le plan politique, c'est la volonté de recouvrer l'intégrité du territoire national. Or, lorsque le glaive et le goupillon se rencontrent, lorsque le pouvoir spirituel, la volonté politique se rencontrent avec la volonté et la foi sur le plan spirituel et religieux, je pense à ce moment-là que toutes les composantes sont rassemblées et que ça ne peut que réussir. Car il ne serait... on peut battre une armée, on peut vaincre une armée, mais on ne peut pas vaincre un peuple. C'était là l'innovation, c'était le génie de Hassan II de trouver un autre moyen de décoloniser par cette marche pacifique avec comme seul moyen la volonté d'un peuple de libérer un territoire. L'idée d'un ancien manifestant qui a manifesté en 1944 comme tous les jeunes. Et je me suis dit, bon, on manifestait en 1944, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire une manif, une grande manif, mais à l'échelon de 350 militants. Et si les Marocains sont les Marocains que je connaissais, si les fils sont dignes des pères, bien, il en mourra 100, il en mourra 150, mais les autres continueront. Mais je me suis dit par la suite, pourquoi exposer les gens à la mort, envoyons-les avec le corps et le drapeau. Quel est cette sanguinaire qui osera tuer des hommes et des femmes complètement désarmés? Sa Majesté voulait lui-même diriger la marche. Et nous avons constitué un petit groupe, nous avons demandé de nous recevoir. Il a fallu quand même un peu de temps pour le persuader de ne pas diriger lui-même la marche. وقلتها في كثير من المناسبات أمامكم المغرب يطالب بالصحراء وموريتانيا تطالب بالصحراء والجزائر لا تطالب بالصحراء. Si vous voulez, les données avaient quelque peu changé. Si. On avait affaire au début à un allié pour reconquérir le Sahara, puisque la chose nous a été proposée par les dirigeants de l'Algérie quelques années avant. L'Algérie, au lieu de s'inscrire comme étant un allié du Maroc, et comme elle l'avait fait quelques années auparavant, a commencé à s'inscrire comme un candidat possible de reprise de ce territoire. L'Algérie, allié du Maroc dans son combat pour son intégrité territoriale, comme le Maroc l'a été pour l'accès à son indépendance, fait volte-face. En témoigne ce document secret relatant les termes d'une conversation à Paris le 17 décembre 1975 entre Abdelaziz Bouteflika, alors ministre algérien des Affaires étrangères, et Henry Kissinger, ministre américain des Affaires étrangères. Le ministre algérien insistant pour l'implication des États-Unis dans le dossier du Sahara, alors que Kissinger n'en voit aucunement l'intérêt et considère que l'affaire du Sahara est une question purement interne au Maroc. Nous allons voir le président Boumediene avec le Hajj Mohamed Bahdini, je me rappelle, j'étais ambassadeur là-bas, pour le mettre au courant de l'intention de Sa Majesté de faire la marche verte. Et nous avons été surpris d'un accueil à la limite du furieux, en disant « mais vous ne savez pas à quoi vous êtes en train de vous exposer, vous ne savez pas ce que c'est, 350 000 hommes, on peut les faire démarrer, mais on ne peut jamais les faire arrêter, et où est-ce qu'ils vont aller, où est-ce qu'ils vont s'arrêter, etc. » En représailles à la marche verte, l'Algérie décide d'expulser massivement et manu militari plus de 45 000 familles marocaines au moment où les familles s'apprêtent à célébrer les fêtes de fin d'année et la fin du mois sacré du Ramadan. Le 6 novembre, tout le monde commençait à craindre que ça va mal. J'avais 11 ans là où ça commençait à l'expulsion des Marocains d'Algérie, c'était le jour, je me souviens bien, c'était le 25 décembre 1975. On n'avait même pas eu le temps de dire au revoir à ma grand-mère parce qu'elle habitait à 17 km. Mes oncles et toute la famille nous a mis dans un cellule
Quand il y a eu les cellules de commissariat en bas, l'odeur, elle était rihamat sont rouges parce qu'il n'y avait pas de coin, il n'y avait pas de toilette, tout le monde pissait là ou là et là. Et on a passé toute la nuit, makin la hawaïj, la frache. Mais le matin, on nous a commencé à faire les tsour à l'âge de 10 ans, 11 ans. Tu dois mettre les empreintes. Je parle et en même temps. Il y a des images qui reviennent. Chaque fois que je parle de ce sujet, il y a de la souffrance, c'est vrai, mais c'est bien. C'est bien de parler, de partager, c'est ça, avec les gens. Parce qu'on a senti que notre histoire, elle est gommée. 75 va être de plus en plus dur parce qu'on partageait tellement tout qu'à aucun moment, les esprits ne sont préparés un jour de se dire qu'on va se retrouver dans un autre pays qui n'est pas notre pays, qui est notre pays, comme j'ai dit, par les papiers, hein, et que nous aimons beaucoup parce que nos enfants, nos parents nous ont élevés dans l'amour du Maroc. La réaction s'est illustrée dans cette affaire abominable, je dis bien abominable, d'expulser 40 000 familles marocaines avec des pratiques et des sévices qui, moi, me font honte. Moi, Marocain, me font honte. Depuis l'annonce de la marche verte, ce sont d'incessants balais diplomatiques qui s'intensifient à New York, au siège des Nations Unies. On a eu donc une séance houleuse au Conseil de sécurité et je me rappellerai toute ma vie cette séance où les frères algériens, je continue toujours à les appeler les frères, c'est comme ça, c'est un réflexe. J'espère qu'ils reviendront et nous rappelleront aussi les frères marocains. Bon. Alors, les frères algériens, donc, avaient mobilisé le Conseil de sécurité dans toute sa splendeur, et nous nous sommes trouvés là, la délégation marocaine s'est trouvée là, au box des accusés, et le président dit, bon, vous dites que vous allez rendre visite à vos cousins sahraouis, en quoi va consister la visite? Alors là, évidemment, on avait posé toutes ces questions à Sa Majesté, parce qu'on dit, voilà les questions qu'on pose. Mais il dit, c'est très très bien. Dans les traditions marocaines, quand au cours des fêtes, on rend visite à sa famille, on vient avec quelque chose dans la main, on vient avec du sucre, on vient avec de la farine, on s'embrasse, et c'est tout. Alors il dit, bon, c'est bon, vous allez les embrasser, mais combien de temps vous allez rester? Mais il lui dit, écoutez, vous dites qu'il y a 73 000 Marocains là-bas, vous savez, pour embrasser 73 000 Marocains, ça va prendre un petit moment, etc. Et c'est comme ça, ça avait un petit côté, si vous voulez, amusant, mais en même temps, politiquement valable. Oui, on va embrasser nos frères. Vous acceptez donc le principe qu'on doit aller retrouver sa famille. Et Ar-Rahim, c'est la moindre des choses. Alors donc, on va les retrouver. On va les embrasser, on va les enlacer, on va voir comment ils vont. Ils vont nous raconter qu'est-ce qu'ils ont vécu depuis ces 40 ans. Et c'est comme ça que nous allons... Ils ont voté une résolution que nous n'avons pas respectée, bien entendu. Envahie d'un enthousiasme inégalé, la population s'adonne sans compter aux préparatifs de la Marche Verte. Une population animée par un patriotisme royal, aux couleurs de la foi, pour renouer le lien ancestral avec leurs frères sahraouis. وصلنا لمراكش مراكش عاد عطاونا شاحنات اخرين هما فجدنا بهم ديبار مشينا بهم ديريكتوم للصحراء والشاحنات كان الكاميو اللي كان كيهز 50 واحد في كاميو عرفتي الا ركبتي في الكاميو وسرحتي رجليك ما بقيتيش غادي تنوض واحد فوق واحد حتى كيضرب واحد المسافه ديال 120 كيلومتر 200 كيلومتر عاد تيوقفوا بينا نتسارحوا شويه كنهبطوا ملي كتنوض كتلقى رجلك ماتوا عليك مابقيتش كتحس بهم الغد اللي غادي نمشيو عطاونا لي ساكادو عطاونا الكواش وعطاونا القران هذا القران ديال المسيره وفي الحقيقه رديتوني انا لهذاك التاريخ راه سبحان الله كانت مسيرة سلمية والناس غادا الناس غادا وصافي ما عارفينش واش غادي يرجع بنادم ولا ما راجعش وكل شيء غادي متحمس Saisie par l'Espagne,
le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte une troisième résolution dans laquelle il condamne la marche verte et demande aux parties d'ouvrir les négociations. Le 5 novembre 1975, le cheikh Ratri Ould Sidi Saïd Joumani, ex-membre du Cortés, parviendra à déjouer toutes les manœuvres de l'Espagne et prêtera allégeance au roi du Maroc au nom de la population saharienne. Je me rappelle que le 6 novembre, j'étais à Auxerre et je me disais, mais c'est de la folie. Comment peut-on envahir l'Espagne? L'Espagne, à l'époque, c'était quelque chose, au moins dans la mémoire collective des gens, dans le passé. Comment peut-on envoyer des gens, des armées, des civils contre les tercios? Tercio, c'est la Légion espagnole, elle est connue par sa sauvagerie dans le combat. Rassemblés à Tarfaya, les 350 000 marcheurs sont prêts à franchir les lignes, les séparant de leurs frères sahraouis. J'ai eu le privilège de recevoir le matin du 6 novembre 1975, à 10h32 exactement, l'appel de Sa Majesté Bismillahim Jraha wa Mursaha Osman il Amam, au nom de Dieu, qu'il ameut et qu'il arrête Osman en avant. Il y a des coups de folie comme il y a des coups de sagesse. Quand on est dans ces choses-là, ou bien on aime son pays, ou bien on ne l'aime pas. Dans ces cas-là, on ne réfléchit pas. La réflexion n'existe pas. Il y a l'engagement. Et tu y vas, et tu y vas, et tu y vas. Tu ne penses même pas si tu vas mourir ou si tu vas vivre, tu y vas. C'est aussi, et surtout au rythme du chant, que le patriotisme va trouver son expression. La marche verte sera marquée et accompagnée par la chanson engagée Youn Aïna du groupe mythique Jil Jilala. كتبت محمد شهرام العيون 48 ساعه تلحنات العيون مشينا طلعنا للاستوديو ديال عين الشق الصباح سجلناها حنا كنسجلوا هي دايزه في الاذاعه جيل جلالة كمجموعة الوحيدة نقول لك الوحيدة هي اللي قالت الرأي ديالها في العملية ديال 75 يعني تم جمعة ممكن ما عطاش الرأي ديالها شكون اللي عطى الرأي ديالو في المسيرة وما معنى المسيرة وما معنى الصحراء وما معنى التاريخ وما معنى كذا جيل جلالة هما اللي قالوا العيون عينية الساقية الحمراء ليا والوادي وادي يا سيدي L'organisation de la marche verte elle-même a été confiée à bon escient, me semble-t-il, à l'armée marocaine qui a fourni un effort très rationnel, très discipliné pour encadrer cette masse énorme pour les transporter. Donc il fallait toute cette noria de cars, de camions, de véhicules, il fallait chose qui n'était pas simple du tout, amener l'eau potable et la nourriture pour tous ces gens-là qui ne dépendaient que de ce que pouvait leur apporter l'armée royale. Mmh.
كتشوفي مرأة عندها 60 عام، كتشوفي واحد خلى المرأة خلات ولادها وخلات كل شيء واليوم مشات هي وراجلها، شي حاجة اللي ما تصورش. والناس كتسنى يمتى تدخل الحدود، والناس كتصلي والليل كيبات والناس سهرانين. ما نكذبش عليك شتي، ولو نحكي اللي حكيت، ولو شتي أي واحد مشى للمسيرة ولو يحكي اللي حكى، ما غاديش يكون عاشها بحال اللي عشناها حنا. خاص الإنسان يعيشها، خاص الإنسان يعيشها ويعيشها ويعيشها بصدق. ولو يديري فيلم على المسيرة، راه ماشي هي المسيرة بصح. سيتي تيلمون فور أو نو بانسي بلو. On sentait le feu sortir de sa poitrine, mais on y allait. Et puis le plus terrible, c'est quand nous sommes arrivés le premier soir, il y avait des hélicoptères la nuit, machin, là, moi, à un moment donné, je dormais un peu. Et bien, Hassan Wadioubi, à un moment donné, il rentrait de l'extérieur. Moi, je me réveille, je dis à Hassan, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une ambiance indescriptible. Tu sais ce qu'Hassan m'a dit? Il m'a dit, rien du tout. Simplement, nous sommes encerclés. Il m'a dit, walou, chaourili. Rassel midna de la dorra. Il y avait un risque, évidemment, c'est que les Espagnols nous tirent dessus. Et le roi, conscient de la conscience des Espagnols, et de leurs supérieurs. Ils savaient qu'on ne pouvait pas tirer sur des gens qui brandissent un tapot, il n'y a pas une arme. Et pourtant, ils sont allés sans armes, et les Espagnols, ils ont commencé à lancer des petites billes en verre à ce moment-là, un petit moment, mais ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train d'affronter une population pacifique, avec des tambourins, et avec de la musique, et avec Shahadu an la ilaha Muhammad Rasulullah. Et c'est une chose qu'ils n'ont jamais affrontée, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Alors, ils ont été décontenancés, ils ont été découragés, mais en même temps, ils ont pris conscience qu'on ne pouvait pas ignorer ça, c'est pas possible. Ce sont des gens qui rentrent dans un territoire sans armes, c'est tout. Et vous ne pourrez pas, si vous leur tirez dessus, toute l'opinion internationale va se lever. Cher peuple, si tu rencontres un Espagnol, civil ou militaire, échange avec lui le salut et invite-le sous la tente à partager ton repas. Salue donc tout Espagnol que tu pourrais rencontrer. Et si d'aventure il tire sur toi, poursuis ta marche, armé de ta seule foi que rien ne saurait ébranler. Au terme de cette marche, ta conscience n'en sera que plus satisfaisante. Et s'il advient, cher peuple, que des agresseurs autres qu'Espagnols attendent à ta marche, sache que ta valeureuse armée est prête à te protéger. Les forces armées royales sont mobilisées plus que jamais au Sahara. Mais leur présence reste discrète. Elles ont joué un rôle primordial sur le plan logistique et de l'encadrement. Je crois qu'on a présenté la marche verte comme une marche de conquête coloniale, comme une invasion militaire plutôt qu'un sentiment patriotique mené, exécuté par des citoyens simples comme tout le monde. Donc on a vendu cette idée aux Sahraouis, on a exploité au maximum ce sentiment de peur qui s'est créé. Évidemment, le Maroc n'a pas... l'erreur peut-être c'est de ne pas avoir visé les Sahraouis pour leur expliquer la marche verte. A été plutôt orienté vers l'Espagne, beaucoup plus que vers les Sahraouis, du point de vue médiatique. Antonio Caro Martinez, ministre de la présidence espagnole, chargé des affaires du Sahara, arrive à Agadir pour manifester au roi du Maroc la volonté du gouvernement espagnol d'entamer les négociations en vue de la rétrocession des provinces sahariennes. Fort de cette assise, le soir même, le 9 novembre 1975, dans un discours adressé à la nation, Hassan II met fin à la marche verte. Dieu a voulu que la marche verte ait été inscrite dans l'histoire comme étant la marche la plus grande et la mieux réussie en l'histoire. Je ne pense pas qu'on ait fait marcher 350 000 hommes dans l'histoire de l'humanité. Naturellement, j'ai envisagé l'échec de la marche verte. Et je dois vous dire que le jour où l'on m'a dit que la marche a réussi, le jour où les marcheurs sont rentrés du sud
J'ai regardé le lendemain mon pays d'un tout autre regard. J'avais l'impression d'y renaître, car j'avais décidé de le quitter. Oui, si l'Arche Verte avait... Excusez-moi, le quitter? Oui. Je n'aurais plus eu le courage moral de regarder en face le moindre de mes sujets et de mes compatriotes. Et quand je lis, je suis ému parce que je sais ce que c'est que quitter son pays. J'en ai été privé 2 ans et demi. Je connaissais l'attachement païen que j'ai pour ma terre, pour mon ciel, pour l'eau de mon pays, pour les plantes de mon pays. Mais j'avais envisagé de partir. La Constitution prévoyant un conseil de régence dans la minorité du prince hérité, j'avais pris décision de quitter mon pays. Et le lendemain, j'ai regardé mes arbres et mes montagnes et ma terre avec un tout autre œil. L'ambition, c'était que cette marche verte, parce qu'elle a réussi, et qu'elle a réussi dans une symbiose entre le roi, le peuple marocain et les partis politiques, eh bien, l'ambition, c'était que cela puisse générer un Maroc nouveau. Il y a eu une chose importante, et qui n'est pas négligeable, bien sûr, c'est que grâce à la Marche Verte, le Maroc, le Marocain, a repris confiance en lui-même. Il pouvait se dire que dans l'adversité, face à un adversaire, à un ennemi important, puissant, pas seulement l'Espagne d'ailleurs, nous avons parlé des autres, face à l'incrédulité internationale, il pouvait vaincre et vaincre par ses propres moyens, parce que là encore, il faudrait dire et souligner que la Marche Verte a été faite uniquement, été exécuté uniquement par les moyens propres du Maroc. Cette marche verte méritait une véritable mise en scène et une véritable présentation sur le plan cinématographique, sur le plan informatif, sur le plan... On ne l'a pas fait. On n'avait pas les moyens, il faut dire la vérité. On n'avait pas les moyens qu'on aurait pu peut-être avoir maintenant. Il faudrait perpétuer cette marche, parce que c'est la 8e merveille du monde. D'ailleurs, il est maintenant enseigné dans l'université de Harvard. Il est enseigné comme étant une guerre pacifique, c'est-à-dire qu'un pays et un roi qui s'appelle Hassan II a livré à un pays de l'OTAN une guerre qui s'appelle, et en réalité c'était une guerre d'usure et de nerfs, qui a obtenu les résultats, c'est-à-dire qu'on a amené les Espagnols à accepter notre point de vue. Le ballet diplomatique algérien n'aura aucun effet et les accords de Madrid seront signés le 14 novembre 1975. Madrid rétrocède les territoires sahariens dont il s'engage à se retirer avant le 28 février 1976. Nous avons été reçus vraiment, nous étions comme chez nous, n'est-ce pas? Nous avons été reçus, mais tout le monde était d'accord d'ailleurs, les Espagnols étaient tous d'accord, civils et militaires, pour que le Maroc et l'Espagne arrivent à un résultat favorable et se mettent d'accord. Et il y avait un seul opposant, n'est-ce pas? Un seul opposant, c'était Cortina, le ministre à l'époque, le ministre des Affaires étrangères, qui jouait un jeu tout à fait à part. Les accords de Madrid en 75, avec tout ce comme événement, ont créé une situation tout à fait anormale, tout à fait incompréhensible chez les Sahraouis. Le fait de nous trouver du jour au lendemain divisés en deux morceaux, l'un utile et l'autre ne l'est pas, l'un un vrai Marocain et l'autre demi-Marocain, l'un récupérable et on le récupère et on le fait comme à nous, et l'autre, en quelque sorte, on l'octroie à l'autre partie, à la Mauritanie, ça créait chez les Sahraouis un sentiment d'être trahi, comme vous disiez tout à l'heure, mal compris, et peut-être même un marchandage qui les a poussés à un zèle d'autodéfense, de rejet de cette politique, et de même combattre par les armes, avec beaucoup plus d'acharnement,
cette amputation, c'est de là vraiment démarre. En 1975, j'ai eu le Maghreb, j'ai eu l'Espagne, j'ai eu le Mauritanie, j'ai eu le Jazaïri, j'ai eu le Sahara. هذه الجيوش كامله وتجدت في نفس الوقت في نفس المنطقه عند نفس الساكنه وبدات حرب. La société Sahraoui est organisée selon le mode tribal. La population est répartie en tribus. La tribu occupe une place essentielle dans la vie des populations. La population qui évolue dans une zone désertique menait principalement une vie bédouine. Elle s'est progressivement sédentarisée avec le développement de la région autour de grandes villes comme Laayoune, Dakhla ou Smara. Je crois que à l'époque, la situation s'est prêtée à l'intox, à la manipulation. D'un côté, il y avait l'Algérie, il y a les Polisario. L'Algérie par intermédiaire de Polisario. Nous, on disait à l'époque aux citoyens, vous allez être tués par les soldats marocains. La marche verte n'existait pas. C'est du bluff. La première pénétration des Européens dans les côtes du Sahara marocain, ça remontait en date de 1478. C'est-à-dire l'arrivée d'un Espagnol qui s'appelait Diego Herrera, qui a été envoyé par le roi d'Espagne pour conquérir les côtes du Sahara marocain. Après quelques jours, on a vu l'arrivée d'une armée de Fès pour défendre l'autorité marocaine qui a été envoyée par le sultan depuis 1524 jusqu'à 1860. L'Espagne a échoué de reconquérir ou bien de reconstruire ce poste militaire. Le roi du Maroc, c'était Mohamed Ibn Abdelrahman qui a donné le droit au roi de l'Espagne pour construire une pêcherie, c'est-à-dire un centre commercial, pour aider les Espagnols pour la pêche. Le 18 novembre 1975, le Cortés, le Parlement, adopte le projet de loi autorisant le gouvernement espagnol à décoloniser ses territoires. Les Sahraouis, à un moment donné, ils étaient dans une situation de confrontation avec, un désaccord avec la politique marocaine. Et cet désaccord a été manipulé, a été instrumentalisé, a été exploité par l'Algérie pour créer un sentiment d'hostilité. Tant que les Sahraouis ne se sont pas rendus compte de cette manipulation, les choses marchaient parfaitement pour l'Algérie. Dès le moment où les Sahraouis ont commencé à se rendre compte qu'ils étaient mal menés, instrumentalisés, qu'ils étaient à manipuler pour des buts étranges à eux-mêmes. Dès le moment où les Marocains eux-mêmes aussi, ils ont commencé à se rendre compte que les Sahraouis, c'est des Marocains qui doivent être vus et considérés comme tels et pas un sujet à marchander avec les pays voisins. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que la solution est déjà sur les rails. Alors que les accords de Madrid mettent fin au conflit du Sahara, le Polisario, originellement un des mouvements marocains de libération du Sahara, entre en dissidence contre le Maroc avec le soutien de l'Algérie et de la Libye pour réclamer l'indépendance du Sahara occidental. La race n'a pas été proclamée dans les territoires proprement dites Sahara occidental. Ça, c'est la première tromperie.
il a été proclamé à Alger, à Antananarivo, à Conakry et en Libye. Donc, au lieu d'associer l'opinion internationale à un État qui s'est créé sur son territoire, on a associé le territoire à une pseudo-république qui a été créée à l'étranger. Il y a une différence. Ça veut dire que nous n'étions pas pour la création d'un État purement dans le Sahara. Nous étions contre une politique déterminée. Nous sommes un système de 90% de Bédou. ما كانت عندنا فكرة عن ما يدور في العالم بالنسبة لنا العالم هو هذه الحيوانات اللي احنا نتبعها تمشي بين الشمال ولا جنوبا اسم الدولة وتفكير الدولة ونظام الدولة الأمور هذا الشيء كان جديد علينا ما كنا نعرفه. Avant de prendre la décision de permettre la création de l'ARAST et de soutenir le Polisario, les gens qui décident, le petit groupe de responsables algériens s'étaient réunis et a procédé à l'évaluation de la situation. Ils ont dit, le roi Hassan II ne peut pas affronter l'Algérie parce qu'il n'a pas d'armée. L'armée est décapitée après les coups d'État. Deuxièmement, il n'a pas d'appui populaire. Troisièmement, jamais la Mauritanie ne se mettra d'accord avec le Maroc. Les Algériens concluaient que jamais il n'y aurait accord entre l'Espagne et le Maroc sur le dos de l'Algérie, ou ce qu'ils considéraient être comme dans le dos de l'Algérie. Et donc ils ont décidé de foncer. Alors il fallait faire face à cette situation. Il n'y aurait pas de Polisario s'il n'y avait pas l'Algérie. Il n'y aurait pas de Polisario s'il n'y avait pas l'aide de la Libye, s'il n'y avait pas l'Irak, s'il n'y avait pas la Syrie, s'il n'y avait pas tous ces peuples frères soi-disant qui nous en veulent. Le 12 avril 2007, le Maroc a présenté au secrétaire général des Nations Unies une proposition d'un statut négocié d'autonomie élargie de la région du Sahara. Ce plan a été salué par le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont les résolutions en soulignent les efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc pour aller vers un règlement. Quand la démarche de Sa Majesté le roi Mohamed VI récemment de présenter un projet d'autonomie a trouvé un nom le premier parmi le premier responsable sahraoui qui était au Polisario, nous étions au Polisario, a approuvé et a répondre positivement à cette proposition. ربما تكون هذا الصراع في الصحراء والضغط اللي موجود في الصحراء كان فعل خير للمغرب وخلى المغرب انه يسرع قبل غيره يتقدم قبل غيره من الدول العربيه من جيرانه نحو جهه ونحو دوله جهه.